Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve les Verseaux pour le tirage un point sur votre relation. Donc la relation que vous vivez, la relation écoutez, qui peut-être va se présenter à vous très, très prochainement. Donc ça reste intemporel les Verseaux. Donc on va y aller avec l'oracle de l'amour de Laura. On fait un petit tirage en croix. Et puis voilà les Verseaux. Donc c'est parti, c'est pour vous en signe solaire, ascendant, lune ou encore Vénus en Verseau. Donc un point sur la relation que vous vivez aujourd'hui. On y va, c'est parti. Donc quel est le point de départ? Le retour. Alors, Verseau, retour d'une personne. D'accord? Ou le retour, tout simplement, de ce que vous méritez. C'est-à-dire qu'on a le cadeau ici. Donc, quelque part, on ouvre une porte et on réceptionne ce cadeau. Plutôt intéressant, hein, avec le chiffre 5. Donc, on avance. On a quelque part quelque chose qui se présente avec ce 5 qui peut parler de créativité, mais aussi de... pas de réflexion, mais... Est-ce que je vais ou pas dans cette situation? Voilà, il y a le retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne, hein, les Verseaux, bien sûr. Donc, j'ai besoin d'y réfléchir. Est-ce que ça peut être créatif? Est-ce que ça peut être intéressant? Est-ce que ça peut le faire? Ça peut être quelque chose aussi qui vous met en conflit. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va approfondir. Au niveau du mental, la réussite. Ben, avoir le retour quelque part d'une situation où, effectivement, aujourd'hui, il y a la reconnaissance, il y a le cadeau. C'est un juste retour des choses, d'aller justement, et dans votre esprit, ce cadeau que vous recevez, que ce soit au niveau matériel, professionnel ou amoureux, ben, je veux réussir. Donc, on peut parler ici un tout nouveau début, un as de pentacle. D'un autre côté, avec le chiffre 1, il y a ce cycle, quelque part, qui démarre, mais il y a la fin de quelque chose. Donc, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, ou quelque part ici, j'ai envie de dire qu'il y a quand même des interrogations, mais de l'autre côté, il y a quelque chose quand même qui est protégé par les anges et qui est peut-être destiné. Avec ce gros pentacle ici, est-ce que je peux envisager aujourd'hui, dans une relation peut-être qui revient vers moi, est-ce que je peux de nouveau, est-ce qu'on pourrait quelque part accepter le retour d'une personne et se dire que ça peut fonctionner? En tout cas, dans ma tête, j'ai envie de réussite, mais est-ce que j'ai envie de réussir dans cette relation, quelque part qui démarre, où on met à terme un cycle qu'on a vécu avec cette personne qui était plutôt compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, aujourd'hui, j'ai le retour, j'ai un cadeau qui se présente à moi et j'ai envie de réussir maintenant. Voilà, c'est clair, j'ai décidé que je voulais réussir. Bon, la réussite, ça peut être aussi au niveau pro. Hein, voilà, on peut parler ici de, je sais pas, d'un 10 de pentacle. Ou quelque part, il y a dans la tête une forme d'abondance. Aujourd'hui, j'ai le retour par rapport à tout ce que j'ai vécu par le passé et je suis dans l'abondance. D'accord? On peut aussi faire la lecture de cette façon-là. Alors, le pilier, c'est quoi? C'est la relation en miroir. Eh oui. Donc, quelque part, je me sers de quoi? C'est quoi mon pilier? Mon pilier, c'est que quelque part, je suis dans une relation en effet miroir où je l'ai été. Et quelque part, ici, je peux effectivement avoir le retour que je mérite cette abondance parce que dans cette relation miroir, on a travaillé l'un et l'autre sur nos blessures, sur nos problématiques. Donc, il y a la stabilité d'un côté avec le chiffre 4 et tu vois avec le 0, le nouveau départ. Donc, le fou, c'est je pars à l'inconnu. Pas de façon inconsciente, mais en tout cas, je pars à l'inconnu et je suis dans la stabilité. Tu vois, je veux réussir, c'est stable. Et cette relation en effet miroir, aujourd'hui, cette abondance, c'est un juste retour des choses. C'est compliqué, hein, tu vois, il y a eu, il y a l'union, il y a l'amour, il y a peut-être le manque de communication, tu vois, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué, qu'on a besoin de comprendre. Mais en attendant, aujourd'hui, je suis dans ce 10 de pentacle, je suis dans l'abondance. Alors, j'arrive de quoi? D'une déclaration. Ça veut dire que j'arrive ici d'une situation où quelqu'un est venu se déclarer. Déclarer peut-être, alors en flamme jumelle en plus avec le chiffre 1, donc on parle au niveau affectif, flamme jumelle. Quelqu'un est venu, c'est peut-être ma flamme, hein, peut-être quelqu'un est venu ici me déclarer, faire une déclaration d'amour, de coup de foudre, je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, on arrive de cette situation-là. Donc, on va vers évolution secrète. Gestation, ouais, et instabilité.
Ok. Est-ce que vous évoluez ici secrètement? C'est-à-dire qu'il y a le chiffre 3 qui parle de d'avancer, hein, de détruire quelque chose, d'être dans un mouvement, mais avec quand même des incertitudes, et secrètement. C'est-à-dire que quelque part, on se cache. On peut avoir beaucoup de réflexions par rapport à ce renouveau aussi dans votre vie. On vit l'abondance. Peut-être que cette personne revient et a envie, bah, peut-être de recommencer quelque chose avec vous. Mais quelque part, vous êtes vous aussi peut-être les Verseaux en train de vous protéger. En train de vous protéger par rapport à votre évolution. Ou alors, vous recommencez quelque chose avec cette personne, mais vous le cachez. Il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose que vous n'en... Oui, peut-être quelqu'un porte un masque, mais ce n'est pas un masque de mensonge. C'est peut-être quelque part le retour de cette personne qui peut venir se déclarer ou qui s'est déjà déclarée, parce que c'est quand même un tirage intemporel, donc ça veut dire qu'à un moment donné, cette situation, bah, c'est peut-être encore pas arrivé, les Verseaux, et on va aller de toute façon vers la gestation, donc nouveau projet, encore de l'instabilité, parce que... Il y a la trahison qui a peut-être été déjà vécue par le passé, tu vois, en effet miroir, dans les blessures. Donc ici, tu peux effectivement aller vers ce nouveau départ, qui est quand même beaucoup dans le doute et la réflexion, mais on le fait de façon secrète. Peut-être que tu t'affiches pas, tu vois, peut-être que tu n'en parles pas, peut-être que tu évolues secrètement sans rien dire. Après, tu peux être aussi dans une relation, ici, Verseau. T'es dans cette abondance, t'as le retour juste de... Enfin, t'as un retour et le retour, c'est que quelque part, tu mérites cette abondance, d'accord? Tu rencontres peut-être quelqu'un ici avec qui tu vas évoluer de façon secrète, sans rien dire à personne, parce que t'as des nouveaux projets plutôt stables, parce qu'il y a ce tout nouveau départ ici au niveau affectif, parce que c'est possible ici, justement, et de fermer un cycle de ta vie. Donc, ça veut dire que tu peux très bien, Verseau, être dans une relation, rencontrer quelqu'un. Je te dis, de toute façon, j'ai envie de dire qu'ici, tout est possible. Mais tu peux effectivement avoir envie de faire évoluer quelque chose de façon secrète, peut-être sans rien dire, peut-être de voir ce que ça donne avec des tout nouveaux projets plutôt stables ici. Mais il peut y avoir aussi cette relation en effet miroir qui est toujours là, qui crée de l'instabilité, où tu peux avoir un petit peu aussi cette sensation de tromper l'autre, de trahir, de te trahir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on voit qu'il va y avoir encore beaucoup d'instabilité, un déséquilibre aussi, peut-être de la balance, un signe de balance, je ne sais pas, peut-être d'injustice, peut-être que tu te dis que c'est injuste, tout ça. T'es quand même... Il peut y avoir quelqu'un aussi qui génère de l'instabilité dans le fait que tu puisses avoir envie de vivre autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que justement, cette relation en effet miroir, elle t'a aidé quelque part à évoluer. Et tu peux être en train d'évoluer secrètement, en fait, hein. Tout simplement, tu as ce renouveau. Oui, tu as ce renouveau dans ta vie qui t'amène à réfléchir. Alors, peut-être quelqu'un qui rentre dans ta vie, peut-être des projets. Mais ça va créer encore pas mal d'instabilité, hein. Des problèmes de communication, des problèmes de... Alors, peut-être financier, tout dépend de comment ça se passe avec la personne avec qui tu es, mais tu es dans cette abondance. Et quelque part, c'est le retour, tu vois. Alors, le retour, c'est que peut-être tu es déjà avec quelqu'un avec qui tu étais séparé avant, quelqu'un qui t'a fait une déclaration en disant, voilà, ben, moi, qui est peut-être déjà revenu, tu vois. Et aujourd'hui, le retour, c'est de dire que, ben, je sais pas, tu as peut-être évolué dans cette relation. Et toi, aujourd'hui, tu as peut-être envie tout simplement d'autre chose. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de projets en gestation. On a peut-être des projets d'enfants aussi, hein, je ne sais pas, femme Verseau. Mais en tout cas, on est dans un renouveau ici, un tout nouveau départ avec des nouveaux projets. Quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. Et peut-être au niveau sentimental aussi, hein, tu vois. Peut-être que voilà, peut-être que tu as envie d'autre chose. Mais peut-être qu'effectivement, ce que tu es en train de mettre en place, tu ne dis rien. Et l'autre personne peut effectivement continuer de créer de l'instabilité. Soit sur l'aspect, soit par rapport à une maison aussi, soit sur l'argent, où tu as vécu quelque part beaucoup d'injustice aussi. Il y a quelque chose qui est torturant, il y a quelque chose qui est compliqué, tu vois. Et peut-être qu'à un moment donné, ça va péter, quoi. Ok, on rajoute une carte du grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Je crois que c'est eux qui ont fait aussi l'oracle G. Enfin, tu sais, attends, je te montre les boîtes. Les boîtes comme ça, là. Il y a aussi l'oracle G qui est dans cette boîte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, bref. Allez, pour vous, les Verseaux, on rajoute une carte. Ben, elle est là. Je viens de la voir se retourner. Eh bien, il y a le départ.
Il y a le départ ici et tu vois, il y a un cœur. Hein. Il y a un cœur sous ce départ. Donc, chiffre 9, fin de cycle. Ça veut dire que tu quittes cette personne, cette situation. Tu prends ton envol. Donc, quelque part, il y a un des deux partenaires qui va s'éloigner. Bon, ah ben, évidemment, c'est interchangeable. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est l'autre, en tout cas. Évidemment qu'on laisse un cœur en souffrance, hein. C'est évident que quand tu quittes quelqu'un, bah, ça fait mal. Ça exprime quand même la fin d'une relation et d'une histoire. Donc on a besoin de s'éloigner aussi pour faire le point. Il y a l'idée de renouveau qui peut planer sur la situation parce que le ciel est nuageux, le bleu n'est pas très loin. Et sur le tarmac, on va dire que les lumières vont guider celui qui reste. Donc il y a une cicatrisation, une renaissance qui sont possibles. Donc quelque part, tu sais, Verseau, je pense que l'évolution secrète, c'est ça, c'est de te dire que tu vas partir à un moment donné de... C'est le grand départ, en fait, tu vois. Bien sûr que c'est compliqué pour l'autre. L'autre qui est venu peut-être te faire cette déclaration. Ben, je pense que la relation en miroir, elle est compliquée à gérer au bout d'un moment, tu vois. Parce que pourquoi? Ben, parce qu'on travaille l'un sur l'autre, sur nos problématiques. Et sauf qu'à un moment donné, on a fait le tour. Et ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas suffire, ça ne peut pas. Moi, souvent dans les guidances privées, ben, les personnes me disent, voilà, ça fait quelques mois, années que je suis avec cette personne et on a vécu ça, on a vécu ça, on a traversé ça. Et je pense que ces travails de, enfin, ces relations en miroir, elles mettent la relation en souffrance. Au bout d'un moment, on a fait le tour. Et je pense que ce qui peut être sympa, c'est de rencontrer bah, la bonne personne avec qui on n'a rien à faire. On n'a rien à régler, tu vois. Bon, voilà les Verseaux. C'était votre tirage. Bah, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous du cœur. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye.